Lucas Massot, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup de répondre à nos questions. Alors, tu fais partie de la sélection argentine qui disputera les quarts de finale de la World League contre la Belgique ce soir. D'un autre côté, tu joues avec la plupart des Red Lions dans la compétition belge. Tu joues pour le Wat Ducks, tu les connais bien. Peux-tu nous dire ce que tu attends de ce match? Premièrement, j'attends surtout de le gagner. C'est un match qui me tient fort à cœur, comme tu l'as dit, j'en connais pas mal. Et je pense que ça va être un match assez spécial pour moi, étant donné que je vis en Belgique, que je joue en Belgique, que j'ai fait mes classes en Belgique. Donc je m'attends quand même à un sentiment assez spécial. Et tu peux nous dire, parce que donc vous voulez gagner le match, ça va être quoi la clé du match pour le gagner? Moi, je pense tout d'abord les PC. Les PC, c'est dans le hockey aujourd'hui, c'est un atout très important. Mais je pense aussi qu'au niveau de la rigueur défensive, ce sera très important de bien défendre, que ce soit sur les PC ou bien gérer les contre-attaques. D'accord. Alors si tu le permets, aussi une petite question un peu plus personnelle. Ton papa est argentin, ta maman est belge. Et comme tu le dis, tu vis en Belgique, tu es né en Belgique, tu joues au hockey en Belgique, tu as fait toutes tes classes, tu as joué dans toutes les équipes nationales de jeunes en Belgique. Ici, tu as choisi pour l'équipe nationale argentine. Tu peux nous expliquer un peu ton choix? Mais il y a ça quelques mois, donc après la World League à Buenos Aires, le coach de l'équipe argentine m'a contacté pour me proposer de jouer avec l'Argentine. C'est pas une décision que j'ai pris à la va-vite, parce que je pense que c'est une décision importante. Donc j'ai pris le temps de bien réfléchir. J'ai pris contact avec la fédération belge également pour savoir ce qu'ils en pensaient. Évidemment, je m'en doutais, le groupe pour Rio était fermé, ce qui était tout à fait normal. Et on m'avait dit que tout était possible après Rio. Mais donc, j'ai vu en la possibilité de jouer avec l'Argentine l'occasion de réaliser un rêve qui est de jouer les Jeux. Et donc, c'était pour moi une opportunité en or. Ouais, ben bravo, c'est un beau choix en tout cas. Alors, juste pour terminer, la grande question bateau, quel est ton pronostic pour le match de ce soir? Je vais dire 3-1 pour l'Argentine. Ok, bah écoute, je te souhaite beaucoup de succès et merci beaucoup encore une fois et à bientôt. Au revoir. Merci.